Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis dans la voiture Lisa. On était à Reno pour aller voir l'équipe 1, mais ce soir je joue avec l'équipe 2. Ce soir c'est maintien ou rien. Si on gagne, on est à 99% maintenu, je dirais. Et si on perd, il va falloir continuer à se battre. J'ai mon petit maillot de Liverpool, il est magnifique. Là on part, on joue à Panazol ce soir. Panazol qui sont au même bilan que nous, ils sont juste devant nous. Donc si on gagne, on passe devant eux et ça serait une très très bonne opération. La salle de Panazol, j'y ai joué avec le U20 l'année dernière, elle est très très bien. C'est une très bonne salle, je crois que c'est là que la N3 joue. Du coup, super, il y a un beau parquet, il y a des belles tribunes, très belle salle, j'ai hâte d'y jouer. Vlog numéro 47, c'est parti, on se retrouve au terrain de Panazol. Let's go. Ça va les gars? Ça va, on est prêts. Hein, vlog numéro 47. Ouais, bien vu. Super Mario. Ça va les gars? Ça va. Ça va les gars? Ça va. Ça va. Salut. Ça va Fred? Ça va bien. Salut, ça va? Salut. Bah, faut croire que non. C'est bon. Voilà, incroyable. Petit parquet. Magnifique. Magnifique gymnase, ça donne envie de jouer au basket. Thank you.
Bon, comme vous avez vu, on a perdu, voilà, match très 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 compliqué. Je pense qu'on aurait pu le gagner, ça j'en suis sûr et certain. Après, on s'est sabordé tout seul, on fait un deuxième quart ignoble, vraiment, c'est vraiment dommage. Au moment, je marque 18 points, franchement, personnellement, je suis content de moi. Même si, bon, ça aurait pu être mieux. Ça va être chaud là, il reste pas beaucoup de matchs. Nos concurrents pour le maintien, Capo et Konda, ils sont à un match derrière nous, donc il faut vraiment qu'on se mette à l'abri vite. La semaine prochaine avec la D2, on joue contre Kouzex, donc compliqué, ça m'étonnerait qu'on gagne, voilà, je parle pas défaitiste, mais bon, Kouzex c'est une très bonne équipe. Après il nous reste deux matchs contre Oradour et Capo, et là il va falloir tout donner. Oradour on les a battus à l'aller, Capo pareil, il va falloir tout donner pour le maintien, parce que sinon c'est mort quoi, c'est la D3. Après niveau du match, très belle salle, franchement c'était cool, super salle. C'est vachement dommage, franchement c'est frustrant de se saborder tout seul comme ça. Je sais qu'il y a mieux à faire, je le sais, on va travailler. Très dur jusqu'à la fin, il faut absolument qu'on obtienne ce maintien. Voilà, restez branchés, que des matchs importants qui arrivent. Prenez soin de vous, gros bisous. Ciao, ciao.